فرشي التراب الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرة أخرى فأسأل الله من أعماق قلبي الذي جمعني معكم في هذه الأيام المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On s'est arrêté et on s'arrête toujours sur l'importance de cette prière-là, puisqu'on a vu que c'était le fait de ne pas la faire dans les temps était, comme on l'a constaté, comme on l'a narré, comme on l'a stipulé, était une des causes du châtiment de la tombe, voilà, ya'udhu billah, pour, d'après le hadith de l'Bukhari qu'on a pu voir. Parmi ces points importants sur lesquels j'aimerais m'arrêter, et je le rappelle une autre fois, wallahi chafrère, je ne suis pas ici en tant que juge, je ne suis là en tant que frère, en tant que conseiller, uhibbukum fillah, je le rappelle, je vous aime en Allah, subhanahu wa ta'ala, je suis là pour, moi le premier, pour me conseiller, et conseiller mes chers frères et sœurs, parce que on se prépare tous, sans exception, à rencontrer Allah Azza wa Jal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort, il faut juste qu'on s'y prépare. Et parmi les choses qu'on doit préparer, c'est cette prière, rappelons-le une autre fois, quoi donc? La première des choses. Inna awwala shay'in sayus'alu 'alayhi al-mar'u yawm al-qiyamah. As-salat. La première des choses sur laquelle va rendre compte l'humain le jour du jugement, c'est la prière, cette prière. C'est bon, tout est bon. Je le rappelle, je vais réitérer le rappel tant que je le peux, Inch'Allah, tant que Allah me le permette, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, je voulais m'arrêter encore sur les mérites de cette prière, mes chers frères. Les mérites de cette prière. Cette prière, on l'a rappelé, on est resté très longtemps dessus, elle a été révélée là-haut, au-dessus des sept cieux. Cette prière, elle a, mes chers frères et sœurs, des mérites. Allah a dit, اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ accomplis la prière, sourate Al-Ankabut. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, Allah nous dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ حِبَّتِ فِي اللَّهِ, accomplis cette prière, accomplis, c'est une obligation. هذا واجب على كل مسلم. C'est une obligation pour chaque musulman. وأقم الصلاة. Accomplis la prière. إن الصلاة. إن أحبتي في الله حرف تأكيد. On le traduit par très certainement que. Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute dessus. إن. Et que Allah utilise ce terme-là, c'est très certainement que la prière est loin des choses blâmables, licencieuses et des turpitudes. Voilà ce que Allah a. Regardez, le rôle de cette prière, ou l'un des rôles de cette prière-là, c'est le fait qu'elle puisse t'éloigner de tout ce qui est licencieux, blâmable, les turpitudes. On avait vu hier que as-salah, aslul kalima yas-salah, hein? Donc, on avait vu que c'était le lien qu'il y a entre Allah et toi. C'est le moment, c'est le rendez-vous le plus important de ta journée. Ce n'est pas celui avec le commercial. Ce n'est pas le rendez-vous avec ton patron. Ce n'est pas le rendez-vous avec ta banque. Ce n'est pas le rendez-vous pour pouvoir acheter ta nouvelle maison. Non.
C'est le rendez-vous que tu as quotidiennement avec ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ce rendez-vous qui nous a été ordonné du haut de sept cieux, Allah, directement au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, as-salam, avec Allah. Tu te réveilles le matin. Tu as mis le réveil. Je pense qu'avec tout ce qu'on vient de dire, maintenant, mes frères et mes sœurs qui négligeaient ceci, Allah ne le prend pas mal. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Allah ne le prend pas mal. Je t'aime mon Allah, azza wa jalla. Et j'espère, inshallah, ta'ala, qu'un jour, je rencontrerai mes frères et mes sœurs en étant ensemble, inshallah, mais ne le prends pas mal, ce n'est qu'un conseil. Tu mettras le réveil, tu vas te réveiller. Premier rendez-vous. Tu vas aller au travail, à l'école, université, tu vas voyager, mais tu as une montre dans la main qui va te permettre d'attendre al-dhahr, puis al-asr. Allah avec Allah, Allahu Akbar, mon rendez-vous avec qui? Mon créateur, puis al-maghrib, puis al-isha, ton rendez-vous qui se répète 5 fois par jour. Avec qui? Le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, celui pour qui tu poses ta partie la plus haute de ton corps vers la partie la plus basse de la terre, et tu dis Subhan Rabbi al-A'la. Ça, pour pouvoir effectivement avoir cette notion de la présence divine, cette conscience divine. Allah te voit, Azza wa Jalla. Allah t'a ordonné cette prière. 1. As-salam, le lien. 2. La prière est loin de tout ce qui est blâmable, tout ce qui est licencieux. Tu rentres dans cette prière en tant que bon musulman, tu rentres à la mosquée en tant que bon musulman, tu en sors en tant que très bon musulman. Tu rentres dans cette prière en tant que très bon musulman, tu rentres dans cette mosquée en tant que très bon musulman, tu en sors en tant qu'excellent musulman. Tu ne peux faire que te lever en degré, en comportement, en éthique, en morale, en reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla. Ta façon d'être avec les êtres se transformera grâce à ta façon d'être avec le Créateur des êtres. Et là, on est conscient de l'importance de cette sha'ir, de cette adoration. Qui, d'après un hadith, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire après les deux attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. C'est la meilleure traduction qu'on peut avoir. Il n'y a pas de Dieu que Dieu. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée que Allah. Et j'atteste que Muhammad est son envoyé. Wa hadha li hadith ibn Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعرضه وعلى الصحابة أجمعين أكستوني أنتروجي للبروفيت عليه الصلاة والسلام يدي أي العمل أفضل كلا لا ميور دي أكسيون وقال الرسول فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها la prière dans son temps وهذه الصلاة أحبتي في الله أيضا parmi ces mérites-là. Aujourd'hui, on va s'arrêter que sur les mérites pour que ça nous motive, pour que ça nous donne envie d'aller vers Allah, de prier Allah Azza wa Jalla. Elle efface les péchés. وهذا لحديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. Jabir nous rapporte ce qu'a dit le prophète عليه الصلاة والسلام. مثل الصلوات الخمس كمثل النهر. L'exemple des 5 prières, c'est comme un exemple d'une rivière. Dans cette à côté de cette rivière, habite quelqu'un. Il s'y lave 5 fois par jour. Il aura posé la question. Il aura dit dans une autre version, resterait-il des saletés sur lui? Ils ont dit non. Il aura dit, c'est idem, c'est pareil que cette rivière dans laquelle se lave cet homme 5 fois par jour. Cette prière en la faisant 5 fois par jour, ça t'enlève les péchés. Dans notre version, si les grands péchés sont évités, attention, les grands péchés ont besoin de les souvent rappeler, doivent donner lieu à un repentir sincère. Je l'ai souvent rappelé. Allah nous pardonne les péchés avec. D'après un hadith d'Abu Hurayra, il nous dit que le prophète nous a dit alayhi salatu wassalam as-salawat al-khams wal-jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma baynahun idha ijtunibat al-kaba'ir ash-shahid.
الصلوات الخمس les cinq prières والجمعة إلى الجمعة du vendredi au vendredi ورمضان إلى رمضان du رمضان à رمضان مكفرات ما بينهن elles effacent ce qu'il y a entre les deux les péchés à condition le hadith dit à la fin إِذَا تُنِبَتِ الْكَبَائِرِ si les grands péchés sont évités ici on parle des petits péchés comme je l'ai mentionné auparavant هذه الصلاة أحبتي في الله فهي نور لصاحبها في الدنيا والآخرة لحديث وهذا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر نناقص حديث دي بروفيت عليه الصلاة والسلام أن النبي مرة عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاتين il a parlé de la prière une fois le prophète عليه الصلاة والسلام فقال عن هذه الصلاة il a mentionné cette prière il a dit من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وعيد من حافظ عليها celui qui préserve cette prière celui qui respecte cette prière en la faisant comme il faut كانت له نورا يوم القيامة une lumière une préservation une sauvegarde pour toi يوم القيامة وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٍ tu n'auras pas de lumière وَلَا بُرْهَانٍ وَلَا نَجَةٍ pas de sauvegarde pas de préservation ce jour-là وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ et le jour du jugement tu seras avec قارون فرعون et هامان وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَأُبَيْ ابْنُ خَلَفٍ وأبي ابن خلف نعم celui regarde الوعيد الشديد l'avertissement extrêmement crucial et dangereux contre lequel il nous met en garde le prophète عليه الصلاة والسلام ce hadith là pour être honnête quelques savants ont dit que il n'a pas effectivement le statut de l'authentique mais قواه بعض العلماء كابن القيم رحمة الله والعراقي وابن العراقي والمنذري ou Ahmed Shakir, rahmatullahi alayhi majma'in. Quelques savants que je viens de citer l'ont fortifié. Hadhihi as-salat ahibati fi. As-salatu nur, kama ja'a fi al-hadith. La prière est une lumière. La prière est une lumière. Wa qala an-nabiyyu alayhi as-salatu was-salam, bashshir al-mashsha'ina fi adh-dhulam ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent, ceux qui se dirigent où? Vers les mosquées dans l'obscurité. Par quoi? De quoi? Ou quelle bonne nouvelle? Il leur annonce le prophète alayhi sallam. La lumière complète le jour du jugement. Ça veut dire que tu te réveilles, que ce soit le matin où tu vas à la mosquée, la nuit, tu marches dans l'obscurité alors qu'il fait noir. Tu te diriges vers la mosquée, la maison d'Allah. Le prophète t'annonce cette bonne nouvelle. An-nuru tam, la plénitude de ta lumière, le jour du jugement, insha'Allah ta'ala. Wa hadhihi as-salah, ahibati fillah, yarfa'u Allah biha ad-darajat wa yuhud wa yahut biha al-khataya. Allah, avec cette prière, il t'élève en degré et il t'efface les péchés. Wa hadha li hadith Thawban, mawla rasulillah alayhi as-salatu was-salam. D'après le hadith de Thawban, رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عليك بكثرة السجود عليك بكثرة السجود multiply le fait que tu fasses ce sujud فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة il n'y a pas une prosternation que tu te ou tu te prosternes sans que Allah t'élève en degré et t'enlève un péché. وهذه الصلاة أحبتي في الله هي من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Parmi les grandes causes de ton entrée au paradis, inshallah, en la compagnie du pas avec n'importe qui, en la compagnie du prophète alayhi salatu wasalam. Je te dis pas ton voisin, je te dis pas ton camarade. Tu as rentré au paradis en étant accompagné et en compagnie du prophète alayhi salatu wasalam. Naam.
وهذا لحديث ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. ربيع بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلوات ربي وسلم. J'étais en train, il a dit, رضي الله عنه, je passais la nuit avec le prophète d'Allah. فأتيته بوضوئه وحاجته. Et je lui ramenais l'eau pour faire les ablutions et ce dont il a besoin pour les ablutions. Donc l'eau et ce dont il avait besoin pour faire ses ablutions. فقال لي أي النبي. Le prophète lui dit, صلوات ربي عليه وسلم. سل, demande. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, demande-moi ce que tu veux. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. Je te demande ta compagnie au paradis. Et le prophète de lui dire, أو غير ذلك. أو غير, والله, ça fait plaisir. أو غير ذلك. Mais qu'est-ce qu'on aimerait de plus après ceci? Bien sûr, il y a la vue d'Allah Azza wa Jal. أو غير ذلك. Tu ne veux que ça? Il dit, هو ذاك. Je ne veux que ça. Et lui dit, فأعني على نفسك بكثرة السدود. فأعني على نفسك. Qu'est-ce qu'il lui enjoint? De céder, de l'aider en multipliant les prosternations. Quand? Au moment de la prière. هذا تصريح. Ceci est une demande explicite de multiplier الصلاة, multiplier la prière. أو غير ذاك. أو غير ذلك. Que ça? Et qu'est-ce qu'on veut, ya رسول الله? Si ce n'est que t'accompagner, être au paradis, et non pas qu'au paradis, mais avec toi, ya Rasulallah. Allahumma nas'aluka rufqata. Allahumma inna nas'aluka rufqata. Allahumma inna nas'aluka rufqata nabiyya alayhi salatu wassalam. Wa aydan, min fada'il hazihi salat, anna al-mashu ilayha tuktabu bihi al-hasanat. Le fait d'aller vers cette prière, on t'écrit les bonnes actions, on t'élève en degré. Na'am, turfa'u darajat, wa tahuttu al-khataya. ترفعنا هذه الصلاة درجات وتحط علينا الخطايا وهذا بإذن الله. Les bonnes actions te sont mentionnées, écrites, notifiées. On t'élève en degré, on t'efface les péchés. وأنا لا أتكلم رجما بالغيب. Je ne parle pas comme ça. وهذا لحديث أبي هريرة. هذا هو الدليل. هذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال قال رسول الله صلوات ربي عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أدي من تطهر في بيته. والله من تطهر في بيته ثم متى إلى بيت من بيوت الله. Celui qui se purifie chez lui et marche vers une maison parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées. والمساجد وحبتي في الله هي بيوت الله. Les mosquées sont les maisons d'Allah. إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. Pour y accomplir, il se dirige vers une mosquée pour y accomplir une des obligations d'Allah عز وجل. كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. Chaque pas que tu fais, un pas t'efface un péché, un pas t'élève en degré. Imagine, il va vers la mosquée. Un pas t'efface un péché, un pas t'élève en degré. Un pas péché, un pas degré. Mais qui n'a pas besoin de ça? Mais qui n'a pas besoin? Qui ose dire, moi je n'en ai pas besoin? Wallahi, hachalillah. Wallahi, votre frère qui vous parle, le premier qui parle, on a besoin. Un péché qui m'est effacé et un degré. Allah m'élève en degré. Allah, il n'y a que lui qui peut faire ça avec nous. Ya subhanallah. Allahumma hutta anayna anna al-khataya. Allahumma hutta anna al-khataya. Allahumma aghfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Ya Allah, efface-nous ces péchés. Ya Allah, élève-nous en degré. Allahumma arfa'na. Allahumma arfa' darajatina ya arhamar rahim. Allahumma arfa' darajatina ya arhamar rahim. Wa hutta anna al-khataya wa aktub lana al-hasanat. Allahumma amin. Amin. Wa aydan hazihi as-salah ahibati fillah. هي تعد الضيافة أو تعد أو تكون أنها تعد لك الضيافة في الجنة. كيف ذلك؟ C'est comme si on te préparait quelque chose, comme si tu es invité au paradis. نعم والله نعم. وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والله جميل، والله très beau حديث، والله très beau حديث. Écoutez-le avec votre cœur. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. Tes allers et retours. Allah te prépare ce qu'on appelle un nuzul. C'est comme si ce qu'on prépare à l'invité quand il arrive. Quand tu arrives chez quelqu'un dans une maison, on te prépare ta chambre, le manger, on te prépare tout ce dont tu as besoin. Allah te dit, tes allers-retours entre chez toi et la mosquée, quand tu vas à la mosquée, tu en sors, tu vas à la mosquée, tu en sors, tes allers-retours vers la mosquée, Allah te dit, il te prépare ce nuzul, cet endroit-là, confortable au paradis, comme si tu étais un invité. Il n'y a rien que ça. Rien que ça. Alors, combien parmi nous délaient cette prière ? Ou هذه الصلاة, cette prière ? يغفر الله بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليها. Cette prière, Allah t'efface les péchés, les petits, entre chaque prière. Tu fais صبح, الظهر, les péchés, les petits, ils sont effacés. الظهر, l'asr, les petits péchés entre les deux sont effacés. L'asr, le maghrib, les petits péchés te sont effacés. Ya subhanallah, comme c'est très beau. Wallahi, comme c'est extrêmement beau. Wallahi, hadha jamil. Mais qui n'a pas besoin? Wa hadha li hadithi Uthmana radiallahu anhu wa arda. Qala sami'tu rasulallah. Qala sami'tu rasulallah salawatu rabbi alayhi wa sallam. Yaqul, la yatawadda'u rajulun muslim. La yatawadda'u rajulun muslim. Fayuhsinu l'wudu. Quand un homme musulman fait les ablutions, il parfait ses ablutions. Fayusalli salah illa ghafara Allah lahu ma baynahu wa bayna as-salati allati taliha. Tu fais tes ablutions, tu les parfais. Tu fais la prière, il t'annonce la bonne nouvelle comme que entre les deux prières, tes péchés te sont effacés. Ya subhanallah. Allahumma ighfir lana dhunub. Allahumma ighfir lana dhunub. Wa aydan tukaffir. Al-an tukaffir ma qabla min adh-dhunub. Tukaffir. Na'am. Fi hadith akhar wa li hadith Uthman aydan radiyallahu anhu arda. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة. Il n'y a pas un nom musulman. L'heure de la prière arrive. صلاة مكتوبة. Une prière obligatoire. تحضره صلاة مكتوبة. Une prière obligatoire. Le temps arrive. فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. Tu parfais quoi? Les ablutions. Tu te concentres. Tu te concentres, tu parfais la concentration. Et non pas Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Tu penses à tes factures. Ar-Rahman Ar-Rahim, tu penses à ta voiture, à ton travail. Tu penses aux vacances au Blad. Non, tu parfais la concentration. Tu restes avec Allah Azza wa Jal. Tu restes concentré. Tu restes dans le wudu, tu parfais les ablutions. Al-Khushu', bien concentré. Wa-Ruku'aha, et le fait de s'incliner. Tu parfais aussi ces inclinaisons. إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً Elle t'expie ce qu'il y a comme péché des prières qu'il y a avant لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الدُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً à condition que tu ne fasses pas un grand péché. Je l'ai dit, j'insiste, les grands péchés doivent donner lieu à un repentir sincère et je rappelle ces conditions. 1. الْإِقْلَاعُ لِلذَّنْبِ Arrête le péché. Le regretter et ne pas avoir l'intention de retourner. Et aussi, quand tu as commis une erreur avec quelqu'un, tu répares cette erreur avec l'être humain. Parce que l'être humain, il a une horma. Horma, une sacralité. Tu ne peux pas être injuste envers lui. Et j'en parlerai une autre fois, incha'Allah ta'ala. Wa aydan ahibati fillah. Fa, bihadihi salah, tusalli alayna al-mala'ika. Naham, les anges prient pour nous. Madana fi musallat, tant qu'il est dans cette, dans l'endroit où il a prié, tel que la mosquée, par exemple. وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. La prière à la mosquée en groupe, quand les savants parlent en groupe, c'est à la mosquée, pas chez toi.
Il parle, Salatul Jama'a, fil masjid, à la mosquée. Que cette prière chez toi, ou plutôt à la mosquée, vaut mieux que chez toi seul, 20 et quelques degrés en plus. Dans notre version, c'est 25 degrés en plus. Une autre version, c'est 27 degrés en plus. Wa aydan, kama qal, wa dhalika anna ahadahum idha tawadda, fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjid. Il fait les ablutions, il parfait les ablutions, puis il se dirige vers la mosquée. La yuridu illa salah, ne cherchant par ceci que la prière, non pas rendez-vous professionnel ou commercial ou pour aller. Non, tu peux, tu veux aller avec l'intention de prier. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. Dès qu'il rentre à la mosquée, il est en prière. Tant que cette prière qui l'empêche de sortir, c'est cette prière qui te retient au sein de la mosquée. Dès que tu rentres, tu es à l'intérieur, tu es en prière. Tant que c'est cette prière qui te retient. وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ. Et les anges prient sur quelqu'un parmi vous. مَدَامَ فِي مَجْلِسِهِ. Tant qu'il est dans l'endroit où il est. الَّذِي صَلَّى فِي. Là où il a prié. يَقُولُونَ. Regardez ce que les anges disent. Tu as prié, tu as attendu, tu es dans ton endroit, tu as fini la prière. Les anges disent, Allahumma arham, Allahumma aghfir lah, Allahumma tub alayh, Allahumma arham, Allahumma aghfir lah, wal maghfir ahibati fillah, hiya satr, hiya satr ad-dunub ahibati fillah. Allah te les cache. Allah te les cache et te les pardonne. Allahumma tub alayh, ou Allah accepte son repentir. Ma lam yu'dhi fi, à condition que tu ne fasses pas de mal à quelqu'un et à condition que tu ne perdes pas les ablutions. Les savants l'expliquent, tu ne fais pas d'injustice envers quelqu'un, tu ne parles pas de quelqu'un en mal, pas de médisance, pas de calomnie, tu ne fais pas du mal à quelqu'un et que tu ne perdes pas les ablutions. Wa aydan, hadhihi salah laka biha ajru man kharaja ilayha ka ajri al-hajj al-muhrim. Eh na'am, wallahi comme c'est beau. Tu as la même récompense que celui qui a la récompense et qui fait celui qui est le pèlerin en état de sacralité. وهذا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أنه أن النبي صلوات ربي عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا. Celui qui sort de chez lui étant purifié, il a salat maktouba, vers une prière obligatoire. فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ. Il a la même récompense que le pèlerin en état de sacralité. J'espère que les cœurs vont se réveiller, inshallah ta'ala. وَمَنْ صُبِقَ إِلَى بِهَا. Et celui, tu vas à la mosquée, tu vas à la mosquée, tu trouves que les gens ont prié, tu auras le même ajr que ceux qui l'ont fait en groupe. مَنْ تَوَضَّعَ. Regardez le wudu comme c'est très important. Et quand tu fais les ablutions, rappelons-le, quand tu fais les ablutions, les péchés sortent de tes membres, par tes yeux, par ta bouche, par tes oreilles, par les dessous des ongles, nous dit alayhi sallam. Tu fais les ablutions et les péchés sortent avec les ablutions. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur man tawadda afah, sanal wudu, celui qui fait les ablutions et qui parfait ses ablutions. Thumma rah, il est parti, fa wajada an-nas qad sallu. Il a trouvé que les gens ont déjà prié. Qu'est-ce qu'il te dit, alayhi salatu wassalam? A'tahu Allahu azza wa jal. Misla ajri man sallaha wa hadaraha. Tu as la même récompense que ceux qui étaient présents et qui ont fait la prière. La yanqusu dhalika min ajrihim shay'a. Et ça n'enlève rien de leur récompense. Wa iza aydan tatahara wa kharaja ilayha. Et si tu te purifies et tu sors vers la prière jusqu'à ce que tu reviennes. يُكْتَبُ لَكَ ذَهَابُكَ وَرُجُوعُكَ أَنَّكَ فِي صَلَةٍ. نعم. C'est comme si tu es en prière jusqu'à ce que tu reviennes chez toi. وَهَذَا لِحَدِيثِ أَيْضًا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ رَبِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ. Si quelqu'un parmi vous fait les ablutions chez lui. Thumma ata al-masjid. Puis il vient à la mosquée. Kana fi salatin hatta yarja. Il est en prière jusqu'à ce qu'il revienne chez lui, c'est-à-dire.
من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي. Du moment où quelqu'un parmi vous sort de chez lui vers ma mosquée, celle du prophète عليه الصلاة والسلام, فرجل تكتب حسنة ورجل تحط سيئة حتى يرجع. الله أكبر ولا إله إلا الله. رجلون تكتب حسنة, un pas t'écrit une bonne action, ورجلون تحط سيئة, et un autre pas t'efface tes péchés, jusqu'à ce que tu reviennes chez toi, jusqu'à ce que tu reviennes. Un pas, une bonne action, un pas, on t'efface une mauvaise action. Un pas, on t'efface une mauvaise action. Un pas, tu as une hasana. Mais qui peut dire, et je le rappelle, dit, qui peut oser dire qu'il n'a pas besoin de tout ce qu'on vient d'entendre? Wallahi hadhihi salatun nur. Cette prière, c'est une lumière. Cette prière est une lumière le jour du jugement. Cette prière nous efface les péchés. Cette prière, c'est le lien avec Allah Azza wa Jalla. Cette prière nous efface les péchés qu'il y a entre les prières et ce qu'il y a avant cette prière. Cette prière, c'est quelque chose qui va nous sauver. Cette prière, c'est sur laquelle on va rendre compte le jour du jugement. Avant quoi que ce soit, la première des choses, cette prière te permet que les anges prient pour toi et sur toi, inshallah ta'ala, avec tous les mérites qu'on vient de voir. Cette prière n'est qu'un bénéfice, n'est que bénéfique pour toi, dans ce monde et dans l'autre. Walakin. Attention. Attention. Si tu ne la fais pas dans les temps. فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Malheur à ceux qui sont dans leur prière, qui sont vis-à-vis de leur prière négligents. Ici, on dit malheur à eux. عَنْ بَفِي عَنْ صَلَاتِهِمْ. C'est-à-dire qu'ils ne la font pas dans les temps. Ça veut dire qu'ils la retardent. Et celui qui ne la fait pas du tout, وَلَيَذُ بِاللَّهِ. Et je finis avec ça. وَلَيَذُ بِاللَّهِ. Celui qui ne la fait pas. Hier, je l'ai rappelé, je le rappelle encore. Les savants ne sont pas d'accord sur le statut de celui qui ne la fait pas du tout. Est-il musulman ou non musulman? وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ. Saqar est un des noms qui a été donné à Jahannam, à l'enfer. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ. Saqar, la tubqi, quand tu rentres, la tubqi ou la tazar, tu rentres, tu fonds, la tubqi, ne sais rien. Il y aura des gens qui vont être en enfer. Et les gens du paradis, ils vont les questionner. Illa ashab al-yamin, fi jannati yatasa'aloun, anil mujrimin, ma salakakum fi saqar. Les gens de la droite, les gens du paradis, ils se questionnent. Wallahi, je le prends pas mal. Mais je ne peux pas transformer la parole d'Allah. Là, ici, je ne peux pas la transformer. Là, je ne peux pas la changer. Les gens du paradis vont se questionner, vont s'interroger à propos des al-mujrimin. Allah les appelle comme ça. Des criminels. Des criminels. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a ramené à saqar? C'est-à-dire à l'enfer. Je ne prends pas mal. Pourquoi fait l'air? Allah, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour toi. Mais ça l'a confié sacré. Qalou, lam nakumin al-musallin, wa lam nakunu ta'imu al-miskin, wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin, wa kunna nukadhibu biyawmi al-din, hatta atana al-yaqin, fama tanfa'uhum shafa'atu al-shafi'in, fama lahum an al-tadhkirati mu'aridin. Première réponse. Qu'est-ce qui vous a ramené vers Saqar? Qu'est-ce qui vous a ramené ici? Première réponse. Lam nakum min al-musallin. On ne faisait pas partie de ceux qui faisaient la salat. As-salah. As-salah. Wa ma malakat aymanukum. As-salah. Rasulullah. Salawatu Rabbi alayhi wa sallam. Avant de mourir, il disait as-salah. As-salah, la prière. La prière. Il nous a conseillé de s'y accrocher. As-salah. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette prière. J'ai voulu volontairement rester dessus. Et j'espère, Inch'Allah, qu'en écoutant ces émissions, Inch'Allah, que Allah te mettra la lumière dans le cœur pour qu'on puisse se rencontrer, Inch'Allah, toi, moi, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui sont devant la chaîne, tous ceux qui nous entourent. Yawm al-Qiyamah, fil Jannah, Inch'Allah. Fil Jannah. Allahumma nas'aluka al-Jannah. Allahumma nas'aluka
مرافقة نبيك وحبيبك في الجنة عليه الصلاة والسلام. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. سبحانك بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Pardon moi si je saute le temps. Wallahi, hada mahabbatan fillah. Parce que mes paroles sortent du fond du cœur pour mes frères et mes sœurs. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. فارشدت